Bonjour à tous et bienvenue sur les Tossettes Gaming pour une nouvelle partie dans Cities Skylines. Alors, les deux dernières semaines, vous n'avez pas eu de vidéo. Alors pourquoi? Parce que la première fois, j'ai enregistré, il n'y avait pas de son. Et la deuxième fois, j'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit. Et puis surtout, j'avais un problème, c'était avec les politiques, voilà, qui maintenant se réaffichent. Alors, comment j'ai réglé le problème, hein? On va faire la petite... Le petit tuto, c'est tout simple, comme ça s'affichait plus. Il fallait que j'enregistre la partie, que je quitte le jeu, que je relance la partie et que je la recharge. Et maintenant, c'est bon. Donc du coup, on va pouvoir reprendre la suite de notre aventure. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé un nouveau quartier ici. Voilà. Si on veut bien, quartier Pruche. Qui est un petit quartier industriel qui manque un petit cruellement de main-d'œuvre, mais on va y mettre quelques habitations pour qu'ils puissent. D'ailleurs, j'ai besoin de tout là, habitations, tout ça, je perds de la population. On va faire un peu de zonage et on va mettre des habitations ici. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur endroit d'ailleurs. J'ai enlevé ça. Je vais mettre plutôt ici des bureaux. Mettre un peu de bureaux ici. Voilà. Et là. Et je vais mettre des habitations. Ici et ici. Un petit peu d'industrie. Ouais, j'ai refait une zone industrielle. Hein, du coup, ici. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la flotte. Si on a tout prévu. Ouais, là, ça, c'est bon. Ok, donc. Ça, c'est pas mal. Bien. Alors. On va regarder un petit peu, je crois que c'est la circulation qu'il faut que j'arrive à régler. Ici, c'est très encombré. C'est très, très encombré. Alors, il va falloir que je trouve une solution. Je vais peut-être faire un arrondi ici, ça fera une espèce de rond-point. Donc, on va faire ça, on va aller chercher des voies comme ça. Celle-ci. On va mettre en route courbe. On va essayer d'ici. On va voir un petit truc comme ça. Voilà. Faire une espèce de rond-point qui n'est pas vraiment un rond-point. Mais j'espère que ça va aider un petit peu la circulation. On va voir. Voilà. Déjà, ça sera pas mal. On va mettre des habitations encore. Où on peut, parce que apparemment on peut pas partout. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, il y a des petits carrés. Ah si, quand même, j'arrive à les panne, les petits carrés qu'il voulait pas au départ. Il veut pas, là, oui, oui, oui. Ok, bon, on peut pas faire mieux. Tiens, on va en mettre un petit peu ici, là. Voilà. Donc c'est surtout ça, et puis les commerces qui manquent. On va continuer de faire des routes ici transversales. On va faire des routes normales. Mais alors pareil, je vais peut-être faire des doubles sens. Du style comme ça. Alors déjà, je vais me mettre en ligne droite. Un petit peu plus loin. Voilà, ça a l'air de bien vouloir couvrir tout. Ok. Donc là, elles vont dans ce sens-là. On va en mettre dans l'autre sens, si je peux. Alors, j'essaie de trouver le bon endroit. Là, c'est trop. Non, c'était pas mal ici, finalement. Ouais, presque. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu plus loin? Non. On n'a pas trop le choix, donc on va faire comme ça. Voilà, donc on a une route qui va dans un sens et l'autre dans l'autre. On va y remettre. Déjà, les habitations, ça a l'air d'être mieux. On va en remettre quand même. Pour être bien. Pour être bien. Voilà, on va mettre ici, ici, ici et ici. Voilà, je mets toujours des petites habitations plutôt que des grandes. Même si ça augmente moins vite le nombre d'habitants. Mais c'est pour éviter de faire des zones, quoi. Des zones. Des zones. Ok. Alors, on va voir un petit peu donc la circulation.
Ou est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir? Enfin, rouge. Voilà, ici. Alors, ce qui est embêtant, c'est que... Ce qui est embêtant, c'est qu'on a... des feux un peu partout. Et ça, c'est problématique. Donc, on voit les points chauds. Alors, est-ce que si je faisais une petite route ici, comme ça, on va pas pouvoir parce que là, on a un parc. On va essayer quand même. On va faire une route... une route, comment on va la faire, cette route? On va faire ça. Ouais, c'est bien celle-là qui est sélectionnée. Là, il va pas vouloir, forcément. On peut en mettre une plus petite. Non, ça veut pas. Si on fait à partir d'ici non plus. Et d'ici. Alors, on va faire une là. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va regarder un petit peu... la flotte. Ouais, bon, c'est couvert. Par contre, il y a pas mal de destruction à faire. Ben, on va faire de la destruction. On va voir ce qu'il y a à détruire, ça. Ah ouais, faut d'abord faire échappe. On resélectionne. Ça. J'ai vu qu'il y en avait par là. Ce bâtiment, par exemple. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a par ici. Ok. Ça, ça. On va y mettre des parcs à la place. Parc pour chien, non. Grand terrain de jeu. On pourra faire un grand terrain de jeu ici. Voilà, ça, ça va faire le bonheur de nos habitants. Hop. Donc ça, ça devrait être sympathique. Ok. Je regarde s'il y a d'autres destructions. Ouais, ici. Là. Ce bâtiment-là qu'on va détruire. Est-ce qu'on peut mettre un petit parc? Un tout petit truc. Là, c'est trop gros. Petit parc, il est énorme. Ouais, énorme. Même les parcs pour chiens sont énormes. C'est pas bien grave. Alors, on va voir ici. On va voir un petit peu les poubelles. Où ça en est. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien géré. L'éducation, pour l'instant, c'est géré, on va dire. S'il y a une école. Alors, regarde. Niveau école, c'est bon. Collège, c'est bon. Université, c'est bon, donc c'est pas important. Le bonheur, il est pas trop mal. Service funéraire, c'est bon. Et les soins, c'est bon. Le vent, on s'en moque un peu. La circulation, bon, on a vu que c'était un petit peu galère. D'ailleurs, je me demande, ce serait pas mal de faire un truc qui soit en sens unique ici, comme ça. Et un autre en sens unique, là. Et là. On va voir ça, tiens. Ce serait pas mal, ça. Alors, sens unique. Peut-être à 4 voies, ça existe ou pas? Si je fais amélioration. Alors. Si je fais ça. Ça, ils vont dans quel sens? Ce serait bien que ça tourne. Ça a l'air pas mal. Voilà, je recommence. Je les ai un petit peu perdus tous là. Donc du coup, ça fait une espèce de rond-point un peu zarbi, mais... du coup, on aura peut-être un peu moins de circulation. Ça va peut-être être un peu plus fluide. Voilà. Alors ici, est-ce qu'on a... On pourrait peut-être faire la même chose ici. Faire tout ça dans ce sens-là.
Voilà, et faire pareil, tourner autour. Alors, on va refaire la même chose. À partir de là, peut-être. Ouais, c'est dans le bon sens. Ah, j'aurais pas dû ici. Non, c'est pas grave. Voilà, donc là ça tourne, il n'y a que celle-là que j'aurais pas dû, donc je vais remettre en normal, casser ça, puisque là ça sera en double sens. Je suis encore en amélioration, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui me fait... Non, je veux pas amélioration. Comme ça. Voilà. Là, c'est en double sens. Comme ça, eux, ils peuvent repartir par là. Ouh. Là, forcément, c'est un petit peu la pagaille. Bah oui, forcément. Donc là, je les ai tous mis dans le même sens. Là, ils vont passer par là s'ils veulent aller là-bas. Ça va délester un peu. Et peut-être que là aussi, je vais le faire en sens unique. On va voir. En amélioration, j'ai dit. Ça, tu m'embêtes pas avec ça. Voilà. Allez, on fait tous demi-tour. Donc là, ça devrait dégager un petit peu le passage. Voilà, parce que maintenant, ils vont avoir la possibilité d'aller que par là ou par là. Là, par contre, ça va bouchonner grave. Il faut... Ouais. Regardez déjà ce que ça donne. Au niveau du trafic. Ouais, c'est hyper rouge, là. Faut déjà qu'ils se mettent en route. Non, je sais pas si j'ai choisi la bonne chose, hein. Là, c'est rouge de chez rouge. Voilà, là, ça va repartir. Ok. Bon. Alors, je me demande si cette route-là est bien utile. Peut-être enlever ce morceau de route ici. Voilà. Ok, ça a l'air pas mal. Ça me semble un peu mieux, ça. Donc là, il n'y a pas de route. Donc ça veut dire que ce bâtiment-là, c'est quoi, lui? Ah, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Alors ici... Ah, je regarde un petit peu, hein, parce qu'il faut quand même que j'arrive à résorber ça. Ce qu'il y a là, c'est qu'il y a trop de routes. On devrait peut-être couper ça. Ou faire une route qui vient ici. Et celle-ci, la mettre en sens unique. Et pareil de l'autre côté, on va faire ça. On va peut-être plutôt faire ça. Sens unique. Hop, là ils vont tous dans ce sens-là, ok. Et ici... Faire une voie qui vient là. Ouais. Là, si... Là, ils vont tourner en rond. Mais je pense qu'après, ils vont comprendre qu'ils peuvent aller par là. Et du coup...
Et du coup, peut-être qu'ici, il faudra enlever la route pour bien faire. Voilà. Alors comme ça, on va vérifier le zonage. On va mettre quelques habitations. Là, ça a l'air pas trop mal hein, au niveau habitation. Mais on décolle pas des 19 000 là. On va remettre un petit peu d'habitation. Un peu haute ici. Voilà, haute densité. Voilà, ça va être pour préparer un petit peu la suite. Ici, on est très très encombré. On est très encombré. Tous en sens unique. Je vais regarder mes transports en commun maintenant. Alors. Oh. Alors là, il y a un tour de quartier là qui sert à rien. C'est la même. Comment elle est faite celle-là? Ouais, je vais la supprimer la ligne et je vais la refaire. On va faire un bus. Donc transport en commun, ligne de bus. On va partir d'ici. Hop. Voilà, on va faire ça. Ah, c'est par là, ouais, c'est pas mal ça. Et hop. On va faire moins grande la boucle. On va vraiment faire une petite boucle. Comme ça, par exemple. Ça, on va avoir des arrêts en commun. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu nos lignes. Donc, pour l'instant, il n'y a que deux véhicules. C'est normal, elle vient d'être faite, cette ligne. Donc voilà, ça va commencer à se remplir. On va avoir un certain nombre de passagers qui vont arriver. La ligne de bus 1, si on la regarde, c'est la verte. C'est cette verte-là. Elle va comment celle-là? Je crois qu'elle fait un gros parcours celle-là. Ouais, effectivement, il y a vraiment quelque chose de grand. Donc ça, c'est pas trop mal. Alors par contre, il y a de la destruction. On va détruire. On va faire comme ça. Voilà. Ce bâtiment-là. Et on va le virer. De ménage. Oh. Alors, ici, ça tombe bien, il y a les politiques maintenant qui refonctionnent. Ce que je voudrais, c'est justement changer le type. Alors, est-ce que je peux spécialiser là? Non, toujours pas. L'imposition, on va pas y toucher. Alors, planification de l'espace industriel. Autoriser l'industrie à travailler encore plus efficacement en négligeant quelques règles. Non.
Non. Donc c'est pas là-dedans. Alors comment je peux choisir la spécialisation? Usine de bâtonnet, elle est abandonnée. Comment je peux changer ça? Alors c'est abandonné parce qu'il n'y avait pas assez d'employés. On va remettre. Donc, est-ce que là, est-ce que je peux choisir maintenant? Non, c'est pas ça. Non, non. Service, distribution, transport public, interdiction de fumée. Alors, ici, on va rien faire. Par contre, on va regarder ici pour les transports en commun. On va faire transport pour ici, transport public gratuit. Et ici aussi. Allez, on est fou. On a un petit peu d'argent. Ouais, je vais peut-être le mettre partout d'ailleurs. Tac. Tac. Transport public gratuit partout. Donc si je fais... Voilà. Tout le monde a un transport public gratuit. Donc au niveau du revenu du budget, ça va peut-être moins important. Si on regarde le budget. Poubelle, ok. Transport public. Alors, ok. On va regarder si ça... Si ça apporte quelque chose. On va voir si ça veut bien augmenter après. 64, 110, 152, 62, 15. D'accord. Bon, ça n'a pas l'air mal tout ça. Il y a toujours la circulation hein, qui est problématique. Les pompiers, il va falloir que je vérifie. Alors peut-être devrais-je faire un sens unique là. Faire tourner ouais, dans ce sens là cette grande couronne là, faire tourner dans ce sens là peut-être que, alors on va voir ça, on va se mettre en amélioration. Est-ce que là je peux, alors là on a grandi en même temps le quartier, donc je sais pas si ça va passer partout. Perdre des habitants, hein, ça c'est sûr. Ok, donc là ici on peut pas. Alors on peut pas ici parce qu'on a quelque chose là. C'est le collège qu'il faut que je déplace. On va mettre ici. Et donc on revient sur notre route. Voilà, donc on a un sens unique tout autour ici en ayant agrandi. Ce qui fait que là, là ils arrivent, oui. Ils vont dans les deux sens. Ok. Bon, je pense que ça va porter ses fruits ça, hein, avec le temps. On va regarder. Bon, c'est ces deux petites rues ici, là. Elles sont vraiment trop petites. Alors, je vais faire aller par là et aller par là. Ok. Alors, on regarde. Voilà, dans ce sens-là.
Alors là, je peux pas parce qu'il y a quelque chose qui occupe. Dépôt de bus, ouais, forcément. Bon, c'est pas grave. Alors, dépôt de bus. Voilà, là, ils seront soit obligés d'aller par là, soit par là. Et ceux-là, ils sont obligés d'aller par là. Du coup, ça devrait quand même dégager. Et là, on va faire juste l'entrée, pareil. Voilà. Là, c'est plus large. On va mettre des... Hop, on fait demi-tour. Ça devrait permettre de déblayer un petit peu ça. Donc, moi, je dis, ça le fait. Bon, on a un problème avec les morts, là. Donc, ça, c'est un peu logique. Facilité. Oh, c'est couvert. Donc, on a quand même des morts. Ah, c'est cool, il s'ouvre plus, lui. Oh, c'est génial. J'adore. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est très bien. Très bien comme ça. Circulation. Bon, il y a des petits points chauds. Il y a encore les points chauds ici. Mais je vais y arriver, je pense, au fur et à mesure. Je pense que ça devrait le faire, les camions poubelles. Si on passe par là. Ouais. Bon, ça devrait se dégager. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est ici quand même. C'est ici parce que là, on a notre dépôt de bus. Il faudrait que je déplace. Est-ce qu'on peut le déplacer? Le mettre ici, par exemple. Par exemple, est-ce que ça gêne mes lignes de bus? Non. Donc c'est très bien. Donc on va améliorer ça. Alors je vais zoomer un petit peu pour mieux voir. Donc on veut les obliger à aller par là. Et on va faire pareil ici. Voilà, ils vont tous aller par là. Là, c'est peut-être pas assez grand. Hop. Et ici. Que je zoome un peu là, que je vois. Ah ouais, là, il y a. Donc, on peut pas mettre ici. Parce qu'on a encore ça qui gêne. Alors, voulez-vous le déplacer, s'il vous plaît? Eh ben, on va le remettre ici. Tac. Là, ça devrait être bon. Voilà. Ça, ça fait un petit truc qui tourne. Je suis pas persuadé, d'ailleurs. Si on faisait ça, eux, ils seraient obligés de passer par là. Si j'enlevais cette petite portion. Pour que tout se passe par là, mais là il y a déjà beaucoup de monde. Donc d'un autre côté, on pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ça, ça servirait plus à rien. Donc si je fais ça. Voilà. Ok. On remet dans l'autre sens. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Du coup, ça on va le virer. On va détruire ce morceau de route ici. Voilà. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, parce que là, il va y avoir un gros trafic ici. Ouais, il va y avoir un trop gros trafic.
Peut-être virer ça aussi. Voilà, comme ça, ils passent par là. Ils font le tour. S'ils veulent arriver, ils arrivent par là. Là, ils n'ont pas le choix. Il faut faire tout le grand tour. Je pense qu'on va avoir dégagé ici. Par contre, ici, ça va se noircir. Allez, forcément. Là, ils veulent tous passer là. Ce qui est logique. Ok. Là, ça va reconstruire, forcément. Si j'enlève ce petit bout de route, est-ce qu'ils peuvent passer par là? Oui. Donc, j'ai enlevé ce petit bout de route-là, ici. Tac. Voilà. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Là, on va mettre en double sens ici. Voilà. Ok. Bon, bah, ça me semble bien. Ok, on a déplacé le problème. Hein. On a déplacé le problème. Ici, il y en a là. Ça s'encombre. Là, ici, c'est un peu n'importe quoi. Tant que ça se remette dans le bon sens. Ok. Donc on a bien ce qui arrive d'ici, vient là, par là, vient ici. Continue par là, Tagada. S'ils veulent venir, ils peuvent aller par là. Ok. Et ceux d'ici peuvent quand même venir là s'il y a besoin. Bien. Bon. Bah écoutez. Ouais. Il y a beaucoup de maisons abandonnées. Allez. On va finir là-dessus. On va détruire les maisons abandonnées. Voilà. Et puis ça sera bien pour aujourd'hui. Là il y a un petit truc. Il y en a un là aussi. Où y en a-t-il d'autres ? Je ne vois pas. Ici. Là, je sais pas où c'est. Par contre, là, il doit y en avoir un. Un bâtiment, c'est lequel? C'est celui-ci. Bon, ils ont une couleur un petit peu différente, hein, si on regarde bien. Ici, j'aimerais bien qu'ils arrivent à faire quelque chose. Je vais mettre des bureaux ici. Allez, hop. On va tout tiens, on va faire ça. Hop, on va prendre les bureaux. Voilà. Ça, ça devrait mieux se remettre. Par contre, là, on a un peu de crime. On va regarder ce qui se passe. Hop. On va mettre une petite caserne de pompiers ici. Ici. Et puis, un petit commissariat de police. Voilà. Ça, ça devrait régler les problèmes de ce petit quartier. Il est en devenir. Et donc, on a dit, on terminait par supprimer les choses qu'il y avait à supprimer. Que décidément, là, je ne vois pas où il est. Par contre, il y en a par là. Non, oui, non. Ici. Voilà. Bien. Bon. Il m'en marque toujours un. Ah, il y en a là, ici. Et là. Voilà, c'était ces deux-là. Bien, parfait. Bon. Allez, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On continuera encore quelques épisodes. Et puis, on verra après... On changera, on va essayer hein, de faire des nouvelles séries quand même. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.